Yos tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic Rush sur DS, où nous allons continuer notre aventure sur le jeu. Et du coup, nous en étions à ici. Donc, oui. Allez. Ok, donc là, c'est là. Je déteste ce niveau. Mais non! Mais je le fais exprès ou ça se passe comment? Ok, j'adore tomber. Et je kiffe. C'est ma spécialité. Les gens vont croire que j'ai fait exprès alors que pas du tout, c'est ça le pire. Mais qu'est-ce que je fais? Même pas exprès. Pourquoi je dois refaire les infos, j'ai déjà... Du coup j'ai fait bugger bordel. Mais vraiment pas une blague. Ok, alors là, let's do it.
On atterrit. Ah oh. Bah, tu sais quoi, je vais me mettre là. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai. Sur le 10 RDS, c'est plus facile que là. C'est moi qui vous le dis, sur DS c'est plus facile. Je vous assure que pour le coup, je suis pas exprès. Vraiment pas. Je fais vraiment pas exprès, les gars. Mais dites-vous que moi, je suis quand même sur émulateur et non sur DS. Je suis pas sur... Sur DS, hein. Je suis sur émulateur, donc sur un écran comme ça, c'est plus difficile à gérer. Bon, je me mets à quoi comme ça. Hein. Déjà, vous plaignez-vous pas, je ne rage pas. Et aussi pour vous dire, c'est avec ce jeu-là que j'ai pété ma toute première DS. Et ceci n'est pas une blague.
C'est d'ailleurs avec ce niveau-là que j'ai pété un câble. On va me demander pourquoi j'ai fait ça. Oh, tout simplement parce que ce niveau-là, il me saoulait sur DS. Mais vraiment. Un truc de fou. Ah oui, mais... C'est un truc de fou. J'avais pété ma DS en deux. Et comme j'étais plus jeune, eh bien, j'avais planqué ma DS au-dessus de mon armoire. Et ce qui s'est passé, c'est que ma mère l'a découvert. Et je vous laisse deviner la suite. Bon, j'avais pas accusé mes petits cousins. Du premier coup, les gars. Mais oui, mais il fait un feu d'artifice. Mais on reste les jeunes, d'accord? Aïe. Alors, c'est marrant parce que quand là, il me touche, j'ai tous mes rings. Alors, pourquoi c'était le boss? Il est tombé. Allez, c'est mieux. Allez, c'est bon. On y est presque, les gars. Yes! Yes. Je t'ai eu, petit blaireau, je t'ai eu. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Attends, Eggman, les gars. La déchirure du quotidien espace-temps. C'est la vie. Qu'allons-nous faire, Sonic? Sonic? Et Amy? T'as perdu ta langue, Sonic? Je suis contente que tu sois venu me voir. En fait... Oui, Sonic, je t'écoute. Non, rien. Sonic, pourquoi ne demander à Amy ce qu'elle sait sur Eggman et Blaze? D'accord. Amy, as-tu vu Eggman ou une fille qui s'appelle Blaze 4? Une fille? Dis-moi ce que Sonic lui veut à cette fille chat. Blaze, me laisse pas tomber. Ah, d'accord. Trop petits points. Bon, maintenant, je comprends mieux. Je l'ai vu. Quoi?
elle vient de passer avec Krim. Tu aurais dû nous le dire tout de suite. C'était vraiment pas senti, Sonic. Désolé, mais à plus tard, d'accord ? Eh bien les amis, c'est ainsi que cette vidéo va s'arrêter. Et puis ben moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye !